La troisième lecture hebdomadaire de la Torah, la troisième paracha, comme on dit en hébreu, raconte les origines du peuple juif, puisque les deux premières sections de la Torah racontaient l'histoire universelle, Adam-Rieb, Noé, et tout ça. Et là commence la véritable histoire, n'est-ce pas, Pierre-Henri Sephati, la véritable histoire du peuple juif, lorsque Dieu dit à Mésopotamien anonyme d'abord, il s'appelle Abraham. Dieu lui a transformé son nom en Abraham en ajoutant le ⁇ est ⁇ une lettre du nom de Dieu. Donc lorsque Dieu dit à Abraham ⁇ va-t'en, quitte ton pays, quitte ta maison de ton père et va vers le lieu que je t'indiquerai. Ici, il y a au fond deux indications intéressantes. C'est que d'une part, Dieu lui dit qu'il doit quitter sa famille et de notre sa patrie. La patrie, ça vient de pater Ici, Dieu lui, a, lui enjoint une véritable rupture avec son passé, on va peut-être en reparler, et va vers une terre dont je ne te dis même pas laquelle c'est. Et en fait, quand on rentre dans le détail du texte, on est précisément sollicité par une question évidente. Qu'est-ce qu'il lui dit, mot à mot Va-t'en, de ta terre sous-entendu ton pays, va-t'en de l'endroit où tu es né, peut-être ta ville, et va-t'en de la maison de ton père. Trois ruptures. Mais trois ruptures, mais à l'envers. Quelqu'un qui est parti de son pays, il est parti mais et de ben... sa ville et de sa maison. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça ne marche pas. Un migrant quitte d'abord son père et, et après mais il, il, quitte, sa il quitte sa maison. Il ouais. sort de chez lui, après ouais. il va à la gare, il prend le train, il sort de la ville. Ouais. Et après il peut traverser la frontière et il sort ouais. de son pays. Et là, qu'est-ce qu'on dit à celui-là auquel on souhaite la rupture pour aller vers soi, et c'est ça qui est très subtil, qui va répondre à cette contradiction, c'est les mots l'er, l'echa. On traduit l'er à va, l'echa pour toi. Il y a une grande iconographie sur ce que la tradition juive dit sur ce départ. Il dit que cette rupture avec la maison de son père, c'est aussi la rupture avec la religion de son père. Et les midrashim, c'est-à-dire les commentaires rabbiniques, nous racontent... Que le père d'Abraham, qui s'appelait Terar, que ce père était marchand d'idoles, et que un jour Abraham a cassé les idoles de son c'est le premier iconoclaste de l'histoire a cassé le soc d'idoles de son père. Bon, il y a plus de boutique, parce que c'est un boutiquier. Son père il vendait des dieux. Il vendait des dieux. Et son père est fou de rage. Il a mis la hache dans la main de la plus grande statue. Et quand son père a considéré le désastre il n'a plus de boutique alors mais qu'est-ce qui se passe ici il lui a dit bah écoute papa il y a eu une drôle d'histoire Tout, toutes ces toutes ces statues se sont disputées pour savoir laquelle était la plus forte et cette grande statue dont j'ai toujours pensé qu'elle avait mauvais caractère a attrapé une hache et elle a fracassé toutes les autres le père l'a regardé dit tu me prends pour un idiot moi. Tu crois que je ne sais pas que ces statues sont, sont complètement inertes et qu'elles ne peuvent pas. Ben alors pourquoi est-ce que tu les adores Et à ce moment-là, d'après la tradition juive, qui figure très très marginalement dans la Bible, il l'a dénoncé au roi en disant que c'était un subversif. C'est un terroriste. Un iconoclaste. Un iconoclaste qui nous a détruit tous nos dieux. Et Abraham a été jeté dans un puits dont il est sorti par miracle. Oui, alors tout ça, effectivement, c'est. Euh presque cinématographique, hein, oui. enfin, de la littérature fantastique. Oui. Mais dans les détails des mots, c'est bien sûr autre chose. Et ici, les détails des mots, quand on dit l'air, l'air, c'est-à-dire oui. va-t'en, mais l'air, l'air s'écrit de façon symétrique avec deux fois le « l'air, l'air, oui. qui peut être traduit, va vers toi. Quel est le meilleur moyen de rompre pour avancer vers soi-même C'est précisément les trois étapes dont il est question ici. L'exil. Le bon sens veut que celui qui s'exile, celui qui part en voyage même touristique, parte d'abord de sa chambre, ensuite de son appartement, ensuite de son immeuble, ensuite de sa oui, ville. Enfin, ensuite. Ici, en tout cas, il quitte ses parents en premier. Et, et, voilà, il, il quitte, quitte ses famille, parents. Il, il, il après, il, il peut qui quitter, quitter la, la ville, et après, il peut aller s'émigrer en Australie. On dit, des euh, des... Une fois que tu auras quitté ton pays, tu vas quitter ta maison. Et une fois que tu auras quitté ta maison, tu vas quitter tes parents. Abraham est un fils de païen. C'est normal que son père dise oui. quitte. Mais ici, on parle d'autre chose, en fait, je vous dis. On ne parle pas simplement de quitte un père païen. Surtout que le père Abraham a réussi à lui faire de chouba. Il se serait repenti, plutôt, voilà. plutôt, plutôt rapproché oui. du monothéisme voilà. grâce à son voilà. fils. Mais ici, c'est comment on va vers soi. C'est le automne qu'on pouvait évoquer, c'est-à-dire les Grecs, connais-toi toi-même. Socrate. Voilà déjà des Juifs qui le disaient, comment te connaître toi-même. Alors effectivement, le mot Eretz qui est employé ici pour dire ta terre. Eretz en hébreu, ça veut dire je veux. Quitte ce que tu veux. Ce que tu désires a priori, tu sais quoi Essaye de le quitter. Oui, parce qu'on est attaché Bien à sûr. ce qu'on est, à son identité, Bien au sûr. lieu où on vit et plein de choses. Le désir oui. primaire, c'est le désir de ne pas bouger. Ce, ce désir est. primaire t'éloigne de toi. Essaye de casser ce désir primaire. Oui. Ensuite, l'endroit où tu es né, quitte même le désir secondaire, ce que les gens ont voulu pour toi. Ton éducation, on veut que tu sois ceci, mon fils, on veut que tu sois cela. Quitte le désir des autres pour toi, c'est la oui. culture. Oui. Et c'est là que Dieu intervient. Et moi, je te montrerai quelque chose que ni ton pays, ni ta famille, ni l'intimité de tes convictions te montrent. Oui, Montre Dieu lui coeur. dit des choses. Il lui dit d'abord, tu iras vers un pays que je te montrerai. Déjà là, il y a un acte de foi extraordinaire pour Abraham, d'obéir à cette injonction divine, puisque quand les gens s'en vont pour émigrer, ils ont choisi un lieu, Dieu ne lui laisse pas le choix. Et en plus, il l'entoure de mystère, il ne lui dit pas vers la Judée, qui s'appelait à l'époque le pays de Canaan. Non, mais ça veut dire que oui. tu pars à l'aveuglette un peu. C'est étrange de dire à quelqu'un, oui, allez, n'est pas cité. Montez sur un bateau, on ne vous dit pas où vous il allez. Il n'est pas cité. Et, et ce bien. pays de terre promise, et donc terre promise, terre due, certains pourraient dire, toujours pas donnée, oui. pourraient dire, elle n'est jamais nommée comme telle. Oui. Et, et, et ça implique effectivement, comme Rachid nous a enseigné d'aller voir un peu plus loin. Quand on comprend que le mot terre, la terre eretz", oui. en hébreu, ça désigne le désir, anirotsé, je veux. Oui, oui c'est la même racine pour le mot terre que le, pour le mot désir, désir en hébreu. Et, et notre racine du mot euh, la terre c'est courir, anirotsé, rats, je veux courir vouloir. Et c'est bien ça la volonté divine, le dernier mot de la Torah c'est Israël. La terre nommée à la fin, Israël. Alors Israël, c'est pas simplement le peuple. le peuple. L'État ou le peuple, c'est un concept extraordinaire. Et ici, on est discret quand on est Dieu, on dit la terre que je vais te montrer. Il ne part pas comme ça, sans rien dans sa musette, Abraham, parce que Dieu lui dit trois <laughs> choses extraordinaires. Je serai avec toi, je te bénirai, je te donnerai un grand, grand nom, et tu seras bénédiction pour tous les peuples. Extraordinaire. Aucun fait. homme n'a entendu de Dieu un tel message. Il fait d'un seul personnage, un petit hébreu, hébreu de Mésopotamie, il en fait une sorte de messie. Je te bénirai, d'abord tu recevras ma bénédiction. Le mot bénédiction est très intéressant, trouve très intéressant, oui. que j'avais remarqué une fois, ce n'est sûrement pas le premier et le seul, que le mot bénédiction en hébreu, berakha, en arabe baraka, etc., bon, est constitué de trois lettres qui sont doubles dans l'alphabet hébraïque. Le bête a comme valeur 2, le kaf a comme valeur 20 et le russe a comme valeur 200. 200. Autrement dit, le mot bénédiction est constitué de l'adjonction des trois lettres qui sont doubles en hébreu. Donc ça veut dire que la vraie bénédiction, c'est le doublement. Comment le 2 devient 20, devient 200 de, Voilà, 20, ça, de, 20, 200, et ça forme le mot bénir. Il n'y a pas de langue dans laquelle genre. on dise des choses autre, autrement et mieux. Ça, c'est une, une illustration, justement, du génie de cette langue extraordinaire. Oui. Oui. Et puis alors l'Abraham, celui qui bénit, est béni. Et Dieu dit à Abraham, je te bénirai, te donnerai un grand nom, et tu seras béniction pour, pour tous les peuples. Donc on peut dire que toutes les bénédictions qu'il y a dans le monde aujourd'hui, elles sont passées par Abraham. Vous et moi, nous appartenons aux fils d'Abraham, mais les musulmans et les chrétiens qui nous écoutent sont aussi spirituellement et, et même biologiquement pour les musulmans, les descendants d'Abraham. Nous sommes tous les fils d'Abraham. Or Dieu dit une chose extraordinaire, je te donne la clé de la bénédiction. Je bénirai celui que, que tu béniras et je maudirai celui que tu maudis. C'est un pouvoir extraordinaire qui a été donné à Abraham. Et en fait, ce pouvoir, on en ressent aujourd'hui les effets quand, ce que vous dites, c'est les peuples inspirés du judaïsme, les chrétiens qui sont un milliard et demi sur la planète. Les musulmans inspirés du judaïsme, ils sont un milliard et demi sur la planète, ça commence à faire du monde. Il y a une vieille dans laquelle Ben gurion était allé voir Mao Tse-tung et lui dire, on va faire une alliance, vous avec votre milliard et demi d'habitants et nous avec nos 15 millions, on va constituer une grande, une grande masse. <laughs> Il faut que les Chinois aient la question du Moyen-Orient. Donc de dire à Abraham, je te bénirai, c'est-à-dire c'est la croissance. La vraie traduction de bénédiction en hébreu, c'est la croissance. Une croissance, c'est lorsque les choses bien. doublent. Comme je l'ai dit, oui. le mot bénir en hébreu, c'est trois, les trois lettres du mot Très double. Qui qu a dans la Torah l'idée de la nécessité et la légitimité de la croissance. C'est un des problèmes discutés aujourd'hui par les économistes, mais on raconte dans la Torah, par exemple. Que Isaac a semé, il a récolté 100 fois plus, c'est-à-dire 10 000 La Torah elle-même fait l'apologie de la croissance, et quand elle dit croiser et multiplier. Pourquoi ce doublement, encore une fois, ici voilà. Et tout ce qui est double, c'est la bracha. Quand on parlait de Bereshit, Bereshit bara, c'est deux fois Beit. Elohim heit, c'est deux fois là. Ah, c'est formidable. Les quatre premiers mots de la Torah, dans les quatre, il y a les deux lettres du nom de Dieu. Et les de, deux lettres de la bénédiction. Ça veut dire que le monde a été créé même avant Abraham, auquel est donnée la clé de la bénédiction. Ça veut dire que quand on appartient en trois religions monothéistes, on a une vie spirituelle particulière dans laquelle peut fleurir la bénédiction. Amen. Et vous avez le nom Abraham, par exemple, quand on le décortique un petit peu. Av, on dit le Père. Ram, très élevé. Mais, curieusement, ça veut dire l'alphabet. Aleph Beit. Mais. Oui. En récurrence, les deux premières lettres vont signifier. Et Ram, c'est la chose la plus élevée qu'un individu, oui. croyant ou non, la chose la plus extraordinaire qui lui arrive, c'est de parler. Parler, d'avoir l'alphabet. De posséder l'alphabet. Oui. C'est ça le père. En quelque sorte, quand dans les dix commandements, on dit respecte ton père et ta mère, mais quelqu'un qui est orphelin de naissance ou quelqu'un dont les parents ne sont pas respectables. Mais c'est un des dix commandements, c'est générique. Et ici, à Maham, tout le monde s'en réclame. Les 1,5 milliard de chrétiens, les 1,5 milliard de musulmans, les 15 millions de juifs, mais le reste du monde, indirectement, avec l'intelligence, oui. l'information, le langage, la langue, les réseaux du langage. Ce cache-là, des choses extraordinairement puissantes que l'exil aussi... En tant que tel, a émoussé. On est loin du compte, mais justement, c'est ça, le retour à soi. C'est le retour. À ce texte-là, ce que je te montrerai, c'est l'évidence vers ce désir que je vais te montrer. Oui. Et puis c'est surtout, je crois qu'on va conclure là-dessus. C'est surtout un acte de foi. Tu pars à l'aveuglette parce que tu as la foi. Beau. Abraham, c'est l'homme de la foi. Oui. Euh, Rosh, il est appelé Roche Hamana, la tête de la foi. C'est la tête du monothéisme. Toutes les religions monothéistes descendent et se réclament d'Abraham. Tout homme est confronté à ça et accepte à la fin de sa vie. Tout homme, tout, quelle qu'il soit sa religion, quelle que soit sa culture, il sait qu'il part à l'aveuglette quand il part de ce monde. C'est ça, Abraham aussi. cest à que je te montrerai, ce désir que je te montrerai, c'est même au-delà de la vie. Oui, ça veut dire que ce qui va se passer demain, le futur, ça n'est pas nécessairement un futur antérieur, c'est un futur postérieur. Ça veut dire que nous avons des choses à découvrir. Abraham est appelé par Dieu. Je te montrerai ce pays, à découvrir les choses, ce que nous découvrons tous en lisant la Torah. Merci beaucoup. Très beau. Merci.